Osgur, bonjour. Depuis quand tu as commencé ton activité? Ça va faire 3 ans. 3 ans? Oui. Et tu as fait quoi? Tu as monté ton entreprise aussitôt ou tu as suivi une formation avant? T'as fait quoi? Non, j'ai pas suivi de formation. Moi, j'étais cadre commercial pendant 11 ans. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué. Et j'ai décidé de créer ma propre entreprise parce que je voulais être indépendant. Et je supportais plus aussi la hiérarchie. Donc, je voulais être... libre. Et avec ton chef, ça va? C'est moi-même. Je parle avec moi-même, ça m'arrive. Mais non, j'ai vraiment fait ça pour l'indépendance et la liberté. C'est impressionnant le nombre de personnes qui font des, comme ça, des virages à 180. Ah ben, quand tu ouvres ta boîte, enfin quand tu as envie d'ouvrir ta boîte, c'est pour avoir ton indépendance. C'est pour prendre tes décisions. Enfin, c'est peu importe la décision que tu vas prendre, mais c'est toi qui l'as prise, c'est pas ton supérieur ou qui va te diriger, faites ça. Voilà. Mmh. Après, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de courage. Ça, c'est vrai. Ouais, entre autres. Ouais, puis t'as un métier qui est quand même par tous les temps, hiver, printemps, été, enfin bref. Et donc tu es démarcheur, tu fais tout? C'est toi qui démarches pour les commerces, pour les... Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai dû prospecter un mois et demi. J'ai fait, je me souviens, j'ai fait mes cartes de visite. J'ai été voir quasiment tous les commerçants en flair. Et après, c'est le bouche à oreille qui a fait son effet. Donc, j'ai quasiment... je prospecte quasiment pas. Bah, parce que... Quasiment plus, du coup. Si vous voulez, ça m'arrive de temps en temps quand même, parce que... il faut tout le temps renouveler sa clientèle. Et puis, il faut aussi aller vers d'autres domaines. Parce que je ne suis pas que laveur de vitres. Hier et avant-hier, j'étais par exemple dans une usine à la ferro aux étangs, où j'ai dû nettoyer un sol, un festé de cambouis, des traces de pneus, oui, de fenouilles, etc. J'ai entendu ça dans le petit commentaire. Je fais du nettoyage. Ce n'est pas du tout les mêmes outils, ce n'est pas du tout les mêmes techniques. Mm-hmm. Donc il faut aussi prospecter ailleurs pour renouveler sa clientèle comme ça. Oui, enfin tu peux pas du jour au lendemain dire tiens, je vais faire les sols maintenant. Et hop, avec les mêmes outils, donc ça veut dire que ça s'anticipe. Moi j'ai pas anticipé. Et j'ai tout fait sur le tas. J'ai appris, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, Mais ça demande un investissement conséquent par rapport au matériel. Si tu arrives sur une situation où c'est vraiment pollué, il faut un appareil spécial pour dépolluer, ça se loue, comment ça se passe? Alors voilà, oui, il y a plusieurs solutions, c'est vrai. Moi au départ, lorsque j'ai commencé, je me souviens, mon premier nettoyage de chantier, j'ai loué. Ensuite, avec l'argent que j'ai accumulé, j'ai épargné, puis je me suis acheté mon propre matériel. Mm-hmm. Aujourd'hui... je suis totalement indépendant, j'ai tout ce qu'il me faut. D'accord. Voilà. Oui, parce que dépolluer, ça veut dire qu'à un moment, c'est forcément très encadré, j'imagine, très normé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on retire un produit, si on retire un polluant, je pense pas qu'il s'agisse simplement pas de le mettre dans l'égout ou des choses comme ça. Ça doit y avoir non, évidemment, vous avez... De toute façon, là, par exemple, lorsque j'ai travaillé à la ferme aux étangs, il y avait tout un dispositif pour enlever les eaux polluées, etc. C'est... D'accord, il y avait déjà ça sur place. Évidemment. Très bien. C'est pas forcément évident. Là, pour l'instant, sur quasiment tous les... c'est même pas quasiment, sur tous les chantiers que j'ai faits, il y avait tous les dispositifs nécessaires. Oui, parce que c'est des chantiers installés, quoi. C'est ça. D'accord. Puis après, c'est l'utilisation d'une monobrosse, d'une autolaveuse, un aspirateur à eau. C'est assez banal comme matériel. Ça ne demande pas forcément un gros investissement, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. D'accord. Par exemple, un laveur de vitres, pour 100 euros, il s'en tire.
D'accord. Et il vit bien, hein, s'il si développe sa clientèle petit à petit, il peut, non, mais c'est très bien s'en sortir. Moi, je t'ai vu, tu avais un jeune qui était avec toi. Un stagiaire. Hein. Un stagiaire. Mmh. La patience, et... parce que quand je vois la rapidité que tu fais et l'efficacité, en fait, parce que moi, je n'aurais pas ce coup de patte, en fait. Mmh. Après, donc, enfin, je pense que c'est donné à tout le monde, c'est du travail. Mmh. C'est beaucoup de sueur et au final, on y arrive. N'importe qui est capable... d'arriver à ça. Il faut combien de temps pour en moyenne pour nettoyer une vitrine? Oui, une vitrine. En comptant le café. En comptant le café, allez. C'est comptabilisé. Je ne sais pas, je vous dirais entre 30 et 45 minutes. Ça d'accord. Dépend de la vitrine. Oui, voilà, mais en moyenne. Mais ouais, après, si on fait intérieur-extérieur, on est plus sur entre 45 minutes et une heure. D'accord. Ouais. Ok. Il y en a, ils vont très vite. Moi, j'ai pas choisi cette méthode. J'aime bien prendre mon temps et puis je vérifie toujours mon travail, voir si c'est bien fait. D'accord. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de bouche à oreille, mais ça se fait vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand le travail il est bien fait, que d'ailleurs, je demande souvent au client s'il est satisfait. Bah, voilà, c'est comme ça que petit à petit, on se fait une clientèle aussi. Tout à fait. Okay. Voilà. D'accord. C'est que comme ça, je le considère aussi. Ouais. Dans tous les métiers du monde, hein, c'est vraiment important. T'as un côté rappeur aussi, musicien. Parce que t'as totalisé plus de 200 000 vues sur internet. Ah, 280 000 vues. Ce qui est pas mal. C'était inespéré pour moi. C'est pas mal, c'est extraordinaire. Donc Ose, c'est ton nom de scène. C'est ça. Tu veux faire autre chose maintenant? Après mon premier album, je veux donner autre chose. Aujourd'hui, voilà, je me mets à faire de la guitare, je fais du piano. J'essaie de diversifier un petit peu mon côté musical. Une fois que je vais avoir tous les éléments, que je vais pouvoir jouer de la guitare et chanter en même temps, je vais pouvoir attaquer mon deuxième album, je pense. Oui, donc il y a un deuxième album en prévision. Seul Dieu sait, on verra. Je sais pas. Didier, tout à l'heure, tu disais c'était quoi? Oui, mais là, du coup, c'est difficile parce que tu es entré comme laveur de vitres, ce qui est déjà très intéressant parce qu'il y a plein de questions. Mais de quoi veux-tu qu'on parle? Ou de quoi aimerais-tu parler? Plutôt de ton métier ou plutôt de ta passion? On peut parler des deux. Moi, je rappe en lavant des vitres. Donc, d'accord. En fait, il a ses écouteurs et tu composes en même temps, en fait. J'écris en même temps que tu laves les vitres. Ouais. L'optimisation, c'est ça, du temps. Oui, oui, oui. Oui. Bah, du coup, c'est amusant parce que... Enfin, c'est amusant. C'est plus qu'amusant, c'est intéressant. Parce que c'est forcément une image, ce que tu viens de dire. Si tu écris en lavant les vitres, bah, il y aura des traces. Donc, ça veut dire quoi exactement, écrire en lavant les vitres? Ça veut dire que... En fait, moi, je suis tout le temps en train de faire des rimes dans ma tête. C'est devenu une espèce de mécanique depuis tout petit. Enfin, depuis tout petit, depuis l'âge de 17 ans, quoi. J'écris tout le temps dans ma tête. Là, je vous le dis pas, mais dans ma tête, j'ai des pensées, j'ai des rimes qui me viennent, et je les mets dans un coin de ma tête, je les stocke. Et puis, le soir, lorsque je rentre chez moi, je commence à... Maintenant, je pianote, parce que j'écris plus. J'écris tout sur mon téléphone ou ma tablette, mais je suis tout le temps en train de faire des rimes dans ma tête. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça, Marc. Il existe des livres comme ça, des condensés, d'écriture rap, plutôt que pour systématiquement mettre tout ça en musique? Et sur une, parce que c'est une écriture spécifique, ça peut être hyper intéressant. Ouais, bien sûr. Littéralement. Après, je fais pas que du rap. J'écris. Enfin, moi, je suis vraiment, vraiment attaché à ça, à l'écriture. Mmh. La lecture aussi beaucoup, mais j'aime beaucoup les mots. En fait. J'aime les mots, par exemple, à 4, 5 syllabes. Je les décortique. J'essaie de trouver des rimes. Et puis après, ça devient une espèce de jeu Tetris. Hein. Cette rime-là, il faut qu'elle colle avec celle-là, qu'elle colle avec celle-là. Et vous travaillez tout seul? Tout seul. Au niveau des arrangements, c'est vous qui les faites? Là, si vous voulez, sur le premier projet que j'ai sorti le 19 octobre en 2018, ouais. J'ai travaillé avec un producteur qui est assez connu dans le milieu rap, ouais. Qui a travaillé avec NTM, enfin, Cool Chain, etc., ouais. des grands noms. On a travaillé ensemble sur le projet, donc lui, il s'est occupé de la musique. Et moi, je me suis occupé de l'interprétation et des textes. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a réalisé en binôme à deux. Toi, comment tu vois le rap par rapport à ton entreprise? Oh, c'est deux choses complètement différentes.
elles sont liées de toute façon, parce qu'elles sont en moi, mais c'est deux choses complètement différentes. Pour vous donner un exemple simple, je n'utilise pas l'argent du rap, par exemple, pour nourrir ma famille ou pour... pour moi, mon entreprise sert à subvenir aux besoins des miens. Et le rap, c'est un petit peu mon exutoire. Ouais. Voilà, c'est deux choses complètement différentes. Mais elles sont liées parce que c'est en moi. Mmh. Donc, quand je vous dis que lorsque je lave des vides, j'écris, c'est parce que je ne peux pas me séparer de ça. Je me suis habitué à écrire tout le temps. C'est lié, tout est... Enfin, de toute façon, hein, c'est une et même personne qui fait tout ça. Donc, Quand on est dans la création, puis là, je pense que là, vous savez ce que c'est. On se regroupe. Hein. Ouais, il y a un fil conducteur. La création, ça n'arrête pas. Parce que je comprends que le rap, c'est quand même assez politiquement engagé. Il y a un petit peu de plus tout. Il y a des bonnes rimes, des rimes un petit peu moins, qu'on comprend très bien, mais... Mais le rap, il n'est plus trop politiquement engagé, justement. Moi, dans mon projet, justement... Je suis plus à la page du tout au niveau rap. J'aime bien, il y a des morceaux rap que j'ai beaucoup aimés, parce que même Gainsbourg, par une période de sa vie, faisait beaucoup de rimes, était connu pour ça. Ouais. On pouvait considérer que c'était du rap avant-gardiste, finalement. J'adore, tout à fait, complètement, tout à fait. C'était clairement rappeur. Et c'est vrai que sur la fin de sa carrière... Quand on dit rappeur, si vous voulez, c'est, on met un mot... Enfin, moi, je me sens pas rappeur. D'ailleurs, je le dis souvent. C'est la musique qui amène ce mot-là, mais l'écriture, par contre, elle est universelle. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Exactement. Je me sens pas du tout rappeur, je me sens artiste. Avant de chanter, enfin, avant de rapper, je faisais de la danse. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours été attiré par, on va dire, entre guillemets, par le mouvement hip-hop. Mm-hmm. Qui aujourd'hui n'existe plus trop, mais à l'époque, lorsque... Ça, c'est superbe aussi, j'en ai vu sur Falaise, sur les émissions sur YouTube, les gars qui dansent dans la région ici. Le hip-hop, c'est superbe, ça. Techniquement, c'est terrible. Le hip-hop, les gens pensent que c'est une danse, en fait. Ouais. Mais le hip-hop, c'est une grande famille qui regroupe justement la danse, le rap, le graffiti, les DJ. Il y a une multitude de disciplines, en fait. C'est ce qu'on appelle les battles, c'est ça, non? Les battles, je me sentais pas aussi à la place. C'est autre chose. Les battles, c'est autre chose. C'est une bataille. Quoi. Ça reste bon enfant, c'est super. On en fera si tu veux, Marc. Donc, quand on part de laveur de vitre, on arrive sur des choses singulièrement différentes. Non, mais c'est bien, parfait. Mais écoute, c'est super. Aurais-tu quelque chose à rajouter là? Je passe là-bas.